Robert Bourgi est-il le saint qu'il pense être? Pourquoi il fait toutes ces déclarations? Pourquoi est-ce qu'il rédige ses mémoires sur la France-Afrique? On écoute cette interview de la rédaction de Jeune Afrique et dites-moi ce que vous pensez. On y va. Je dis haut et fort que c'est la fin en France d'un certain monde, d'un certain temps des relations franco-africaines. Il faut tourner le dos à la France-Afrique. Omar Bongo Ondimba, en 2009, m'avait dit, maman Edith s'éteignant peu à peu, la douleur étant très grande, et lui aussi étant malade, ce que ses proches savaient, il m'a dit, fiston, tu as vu combien j'ai été plus ou moins ignoré par la droite, et tu sais, toi, mieux que personne, tout ce que j'ai fait pour la droite française depuis Pompidou. Tu as été aux côtés de Jacques Foccart. Avant, je travaillais avec Jacques Foccart. Et après, tu as pris le relais. Tu sais tout ce que j'ai fait. Et le moment venu, je te demande une chose. Sois ma mémoire. Ce type de financement que vous décrivez, on parle de plusieurs millions d'euros en espèces, et depuis l'étranger, est évidemment interdit par la loi. Vous n'avez jamais été inquiété? Je n'ai jamais été inquiété pour la simple et unique raison, Marouane, que jamais je n'étais au premier rang. Comment cela se passait? Vous êtes un homme qui connaît parfaitement, aussi bien, voire mieux que moi, les arcanes de la politique franco-africaine. Monsieur Chirac me faisait venir à la mairie de Paris, du temps où j'étais professeur à la faculté de droit d'Abidjan entre 81 et 86. Il me faisait venir à la mairie de Paris du temps où il était à Matignon. Et il me faisait venir à la mairie de Paris du temps où, ayant quitté Matignon, il était redevenu simplement maire de Paris. Et soit avec M. Foccart, soit seul, il me faisait comprendre qu'il avait besoin de l'aide d'Omar, de Denis, de Blaise, pour soutenir son action politique. J'allais voir ces chefs d'État, je discutais avec eux, je ne leur apprenais rien, c'était dans le mécanisme habituel. Ils venaient, soit on me contactait à la fac chez moi à Abidjan, soit on venait me voir à la maison à Paris. Je prenais rendez-vous avec telle ou telle personnalité, l'émissaire arrivait, dans la voiture diplomatique, CMD, 43 par exemple pour le Gabon, et nous partions à la mairie de Paris, à Matignon ou à l'Élysée. Et le messager que j'introduisais était porteur. Moi, je ne faisais rien, je ne faisais qu'exécuter les ordres du maire de Paris, du président du RPR, du président de la République, je ne faisais rien. J'accompagnais, on rentrait dans le bureau du secrétaire général de l'Élysée, l'émissaire remettait ce qu'on lui avait chargé de remettre, il se retirait, après deux ou trois mots de conversation, il s'en allait et le débriefing commençait entre M. Chirac, Villepin et moi-même. Ou bien quand ça se passait au Quai d'Orsay, à Beauvau ou à Matignon, entre Dominique de Villepin et moi-même. À l'écoute de ces propos, il est tout de même important de se poser la question de savoir est-ce que la France avait prévu ces coups d'État? Et est-ce que finalement ces coups d'État qui aujourd'hui pour certains sont adoubés par la France, est-ce que la France était au courant, comme les gens le pensent de façon, on va dire de façon commune? Est-ce que la France avait prévu ça? On écoute. Quelle analyse faites-vous du putsch mené par Brice Clotaire-Oligui le 30 août 2023 et que pensez-vous de la transition qu'il mène depuis? Je n'ai pas été surpris par le putsch, mais je n'aurais pas juré ma vie ou autre si pour dire que ça serait Brice. Pas Brice. Brice était, comment vous dire, le petit frère d'Ali dans la cosmogonie du milieu bantou auquel ils appartenaient. Et le coup est venu de lui. Mais je savais que ce régime despotique d'Ali, diminué bien entendu, et mené par sa femme et son fils, ne pouvait pas durer. Je le savais. Ça m'a surpris que ce soit Brice. Mais j'ai une chose à vous dire.
quelque temps avant le putsch, je reçois d'un ami gabonais, proche du milieu de la présidence, une photo où l'on voit le couple présidentiel le jour de l'indépendance sur le tapis rouge, avançant, et à côté, Brice Oligui Nguema, deux étoiles, patron de la garde présidentielle. Que faisait-il? Il portait le sac de madame. Mais la photo, je peux vous l'envoyer dès ce soir. Hallucinant. Je vais voir Nicolas. Je lui dis, Nicolas, il va se passer quelque chose au Gabon. Il me dit, tu crois? Et je lui montre la photo. Le président Sarkozy fait ça. Il me dit, mon Dieu, mon Dieu. Mais j'ai une chose à vous dire. Ce putsch est le bienvenu. Tous les Gabonais l'ont réclamé. Tout le monde l'ont réclamé. Et ma foi, je trouve que son parcours jusqu'à maintenant est bon. Y aura-t-il une élection présidentielle? C'est ce que l'on dit. Mais j'ai un vœu à formuler puisque vous me posez la question. Je souhaiterais qu'il en soit, qu'il soit candidat à cette présidentielle, mais il ne faudra pas attendre trop longtemps. Ali Bongo, même les Martiens, s'il y en a, savent que sans Sarkozy, et sans Bourgie, et sans Guéant, il n'aurait pas été au pouvoir en 2009. C'est tout. Et Ali a été d'une ingratitude à nul autre pareil. Et je voudrais quand même, puisque j'ai la chance d'être en face de vous, rappeler une conversation que nous avons eue sous l'autorité de Papa Omar, à l'époque, au cinquième étage. Il y avait Papa Omar, Pascaline, son totem, Ali et moi. Et il avait dit, voilà, les enfants, Robert, c'est votre aîné. C'est le chef de la fratrie. Ne l'oubliez jamais. Et s'il suit cet entretien, Ali s'en souviendra. Si tant est qu'il ait encore la faculté de comprendre quelque chose. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse en commentaire me donner votre point de vue. On like, on s'abonne, on partage. Et surtout, on n'hésite pas à aller checker la vidéo originale sur la chaîne YouTube Jeune Afrique. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain décryptage ou un prochain débriefing. Et on se dit à très bientôt. Ciao.